Hello les cuistots, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une recette trop délicieuse de frites aux courgettes. Tu vas voir, c'est ultra facile et rapide à faire. Donc, c'est parti pour la recette. Alors, on va prendre des courgettes lavées. Moi, je compte une courgette, voire une courgette et demie en fonction de leur taille par personne. On enlève le pédoncule et on découpe en deux. Ensuite, on va découper en forme de frites, donc on va faire des sortes de lanières sur les courgettes. Donc il faut essayer de les faire régulières pour faciliter à la cuisson. Et ensuite, on coupe en deux ou en trois en fonction de votre taille de courgette, bien entendu. Et on réserve. Pendant ce temps-là, on va prendre deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez aussi remplacer par l'huile de colza qui a autant d'oméga 3. On va mettre du curcuma et du paprika, ça représente à peu près une cuillère à café, une cuillère à soupe d'herbe de Provence, du sel, du poivre, une gousse d'ail, donc il faut les mincer bien sûr, donc moi je les mince toujours en petits cubes. On peut aussi rajouter dans la recette si on veut un petit peu de parmesan, moi j'en ai pas mis pour une version un peu plus light, mais vous pouvez rajouter sans souci 30 g de parmesan si le cœur vous en dit. Donc on ajoute l'ail dans le mélange huile, épices et on ajoute les courgettes. Et on va mélanger le tout. Donc comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'huile. Le but, hein, c'est de faire des frites vraiment light, donc d'avoir un très bon goût, mais sans le gras. Et une fois qu'on a ça, on va verser la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et on va répartir uniformément les frites. Il ne reste plus qu'à enfourner, donc il faut environ 30 minutes à 170 degrés. Je te donne très bientôt rendez-vous pour une nouvelle recette. Ça sera samedi prochain à 14h. Ciao ciao.